Nous sommes au Transmusical de Rennes et on a proposé au Transmusical de faire une masterclass autour d'un artiste qui utilise des nouvelles technologies et le programmateur des Transmusicales nous a proposé de travailler avec Saron. Il y a différentes sortes de rencontres dans les Transmusicales. La rencontre ne se limite pas au concert, la rencontre ne se limite pas à un schéma. Saron est passé sur scène dans le Hall 9, donc c'est un prolongement plus intime en petit comité. J'ai expliqué un peu mon parcours de musicien, comment je vais créer mes morceaux, quel est le type de ma machine, comment elle marche. Il y a une interaction avec les gens, ils m'ont posé des questions et c'était très intéressant. En fait, c'est un looper, il m'enregistre en direct, il me dit bonjour, ça va. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de casser les frontières et de casser les frontières du monde numérique et de s'installer dans le spectacle vivant en règle générale. L'art, c'est effectivement maîtriser une technique, la dépasser pour arriver sur cette fonction sociale de l'artiste qui se présente au public. La technologie est très importante pour la musique que je fais en tout cas. Dans cette machine, il y a plein d'effets différents. Et ça fait longtemps que je veux faire de la musique électro. Elle m'a permis justement de faire cette musique. Voilà, ça a vraiment changé ma direction musicale. La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui font de la musique. Il y a beaucoup de choses vraiment bien. C'est vraiment difficile et il ne faut pas lâcher en fait. Il faut vraiment croire en soi, kiffer ce que tu fais. En fait, les gens, quand ils te voient kiffer, ils kiffent avec toi.